allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander puisque je vous ai dit que mi-octobre, because I have no shame, j'ai commencé à lire des romans de Noël et vous avez été nombreux à me dire « Ah, est-ce que t'as des recos? Est-ce que t'as des livres que t'as lus, que t'as aimés, que tu pourrais nous conseiller, etc. » Et je me suis dit que bah oui, j'en avais, donc let's go petite vidéo. Je me suis donc fait une petite liste, comme d'habitude, parce que je n'ai pas de mémoire, avec les titres que j'ai lus les années d'avant. Et puis bah, je vais vous en parler rapidement, je vais essayer de vous donner envie de les lire, vous me connaissez, c'est pas gagné d'avance. Et en toute dernière partie de la vidéo, je vous parlerai de ces livres que j'ai repérés cette année, donc que j'aimerais lire cette année. Et je vous proposerai un petit truc, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai eu une petite idée qui pourrait changer un petit peu du contenu que je crée habituellement et qui j'espère vous plaira. Mais avant toute chose, parlons des livres que j'ai déjà lus et que je vous recommande. J'espère aussi que vous pensez que ce n'est pas trop tôt pour parler de romans de Noël. Je sais qu'on n'est même pas mi-novembre, mais je me dis, on est déjà dans le mood, non? Et en plus, si je vous en parle maintenant, vous avez le temps de voir s'il y en a qui vous tentent, de vous les procurer et de les lire en décembre. Enfin bref, de toute façon, j'avais envie de faire cette vidéo maintenant. J'ai envie de la faire depuis mi-septembre, donc j'ai envie de vous dire, là, j'ai quand même bien tenu le coup. Sans plus tarder, le premier roman de Noël que je vous recommande, c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon. J'ai totalement craqué sur la couverture, je l'avoue. Je sais qu'elle n'est pas hyper travaillée, mais pour moi, elle fait totalement le taf. Elle envoie exactement les vibes que je recherchais. Du coup, l'année dernière, j'ai craqué et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Comme quoi, être superficielle, parfois, ça paye. J'ai failli me mettre le doigt dans le nez en plein dans la vidéo, mais on adore. Dans ce roman, on est projeté dans un petit village qui est perdu dans la montagne, en plein hiver. C'est, je crois, 2 ou 3 jours avant Noël. Et en fait, on suit en particulier le personnage d'Anna qui va se marier et qui a décidé de se marier dans ce chalet qui est un hôtel du village. Parce que c'est l'endroit où elle passait toutes ses vacances avec sa famille et notamment les vacances de Noël. Elle a d'excellents souvenirs ici. C'est l'occasion pour elle de rassembler tout le monde auprès d'elle dans cet endroit qu'elle aime pour ce moment très spécial de sa vie. Sauf que, tout ne se passe pas exactement comme prévu, évidemment. Il y a une énorme tempête de neige qui fait que la moitié des invités et surtout le marié sont potentiellement dans l'incapacité de se rendre sur les lieux du mariage. Ça va compliquer les choses. Il y a aussi toute une myriade de personnages qui gravitent autour d'Anna, qui vont lui rendre la vie un peu difficile. Il y a des sentiments un peu refoulés qui vont ressortir. Bref, il se passe plein de choses dans le roman. Et en fait, en le regardant, j'avais trop l'impression d'être devant un film de Noël de Netflix. Genre, ça m'envoyait exactement ces vibes. C'est doux, c'est cocooning, c'est plein de bons sentiments. Les personnages sont très attachants. Pas seulement Anna, mais aussi tous les personnages secondaires que j'ai trouvé très bien construits, très travaillés. Et encore une fois, très attachants. Donc vraiment, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Alors, c'est centré, il y a une romance, bien sûr, qui est importante. Mais c'est plus dans l'ambiance un peu contemporain. C'est-à-dire que c'est pas centré que sur la romance et il n'y a pas de smut. On va finir sur ça, parce que ça me semble être une bonne conclusion. Il n'y a pas de smut. Un autre roman que j'ai lu il y a quelques années et que j'ai beaucoup aimé, c'est Love is in the Snow. Là, c'est l'histoire d'une jeune écrivaine qui écrit des romances qui ont beaucoup de succès. Tout le monde s'arrache ses bouquins, sauf que elle vient de se faire plaquer par l'homme qu'elle pensait être l'homme de sa vie, donc elle ne le vit pas très bien, tu comprends le truc. Et du coup, pour l'aider à faire son deuil, sa meilleure amie lui paye une petite virée dans la neige. Dit comme ça, on dirait que sa meilleure amie, elle la tège au fin fond de l'Alaska. Mais en fait, elle lui réserve un petit chalet bien cocooning, coupé du monde pour qu'elle puisse faire son deuil et qu'elle puisse se concentrer sur un nouveau roman. Et bien sûr, quand elle arrive dans son chalet, qu'est-ce qui se passe? Et bah le voisin, il est super sexy. Parce que c'est comme ça les romans de Noël. Toi, tu vas t'exiler au fin fond de la cambrousse avec 50 cm de neige. Le voisin, c'est un vieux papy adorable, mais c'est pas la même vibe. Elle, par contre, elle tombe sur Monsieur BG. Y a pas de justice. Mais bon. C'est pas grave, c'est pour le livre. J'en dis pas plus parce que je pense que vous avez un petit peu deviné l'intrigue, mais en tout cas, c'était aussi très beau. Un peu plus cliché, un peu plus répétitif sur certains aspects, mais une très jolie histoire aussi. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé le personnage de la meilleure amie qui est une influenceuse. Moi, je sais pas, elle m'avait envoyé des très bonnes vibes et je l'avais trouvé super sympa. J'avais aussi lu les 3 recueils de nouvelles de la team Romcom qui s'appellent donc Noël et préjugés, Noël actuali et le dernier s'appelle Y aura-t-il trop de neige à Noël ou quelque chose comme ça. Il y a donc plein d'autrices françaises assez connues et que j'apprécie beaucoup qui se sont mis ensemble pour écrire plein de petites nouvelles qui sont donc les recueils dont je vous ai parlé. De base, moi je suis un petit peu moins fan du format nouvelle puisque souvent, soit je reste sur ma faim, soit quand je commence à m'attacher, bah c'est déjà fini donc c'est un peu frustrant. Enfin en tout cas, c'est pas forcément le format que j'apprécie le plus, mais là c'est très bien fait. C'est court, mais ça se lit tout seul du coup et puis c'est sympa parce que tu peux lire une nouvelle par jour, tu peux te faire ton propre calendrier de l'avant, enfin bref.
J'avais lu les trois recueils à la suite parce que moi, apparemment, j'ai pas de limite. On me dit, il y a trois recueils, je me dis go. Que j'aurais peut-être pu les espacer un peu, j'aurais peut-être apprécié un peu mieux l'expérience. Mais en tout cas, c'était des très jolies lectures aussi. Je me souviens que dans Y aura-t-il trop de neige à Noël, c'était des trucs assez loufoques, un peu décalés. J'avais trouvé ça plutôt sympa et très original. Les autres sont plus classiques, mais j'aime beaucoup les liens qu'il y a, un peu le fil conducteur qu'il y a entre toutes les nouvelles et les clins d'œil que les autrices se font entre elles. Par exemple, typiquement dans Noël et Préjugés, bien sûr, ça s'inspire de Orgueil et Préjugés. Et il y a cette histoire de livre qui, en fait, est transmis un petit peu de personnage en personnage au fil des nouvelles. J'avais trouvé ça plutôt chouette. Ça apporte un vrai plus, en fait, pour l'histoire. Et c'est la petite touche d'originalité, tu vois. Dans un registre totalement différent, j'ai lu l'année dernière Fal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 a. Je ne sais jamais combien de lala je dois dire. Mais en tout cas, c'est un roman d'Émilie Chazeran que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore parce que j'adore son style d'écriture. C'est hyper drôle, c'est toujours très touchant comme histoire. Et là, on est totalement dans la vague de Noël, comme l'indique très bien la couverture et le titre, puisqu'on se place dans une famille en Alsace qui est la famille de Noël. Alors, je ne sais pas si je vais le dire correctement, je suis désolée. Tannenbaum. Oui, en fait, je pense que je peux m'en sortir. Tannenbaum. C'est la famille Tannenbaum qui sont une famille de nains et qui tiennent en fait en Alsace un village de Noël où ils font des spectacles, ils ont une boutique. En tout cas, ils sont en mode full Christmas, mais genre à fond, à fond, à fond. Donc, c'est pas forcément une famille très très ordinaire, sauf un membre, Richard, 19 ans. Il est pas nain et c'est le seul garçon de la famille. Et en gros, on le suit durant quelques jours au milieu de cette famille. Ils sont tous plus décalés les uns que les autres, ils sont tous plus drôles et attachants les uns que les autres. On a plein d'histoires donc de famille, on a des secrets qui sont révélés, on a tous les non-dits et les frustrations qui ressortent, on a aussi des histoires d'amour, on a plein plein de choses qui sont évoquées, toujours avec un style d'écriture qui est absolument magnifique et très très drôle. C'est assez particulier hein, comment c'est écrit, je pense qu'il faut être préparé quand on se lance, mais j'ai adoré, adoré, et c'est un roman que j'ai trouvé mais magnifique, et qui m'a d'ailleurs donné envie d'en lire plein plein d'autres d'Émilie Chazeran, ce que j'ai fait entre temps, et je peux que vous recommander de découvrir cette autrice parce que j'adore. L'année dernière, j'ai aussi lu Un Noël sans fin. Pareil, j'avais bien aimé la couverture, je me suis dit... Et en fait, le pitch, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille, Miley, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, je suis désolée, pardon. En tout cas, c'est l'histoire d'une jeune fille, on va l'appeler jeune fille du coup, qui va passer Noël dans le chalet familial. En fait, c'est ses parents et des amis très très proches de ses parents qui possèdent le chalet. Et chaque année, depuis des années, ils vont passer Noël là-bas. C'est un lieu de souvenirs, c'est un lieu de rassemblement avec ses proches. Et elle adore ça, sauf que cette année, on lui annonce que c'est la dernière parce qu'ils vont devoir vendre le chalet. Alors évidemment, elle est dévastée, elle part en furie. Et elle a un accident de voiture et... Sauf que... Parce que l'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez, sinon ça ferait deux chapitres et ce serait le roman de Noël le plus triste du monde. Et elle se réveille le matin et sa journée, elle recommence. Eh, un Noël sans fin, une journée sans fin, t'as compris. Du coup, elle a l'occasion en fait à chaque fois de revivre la même journée, de faire les choses différemment pour voir si ça peut influencer telle ou telle personne. Il y a des histoires de famille, il y a la petite romance puisqu'elle, elle est amoureuse en secret depuis des années du fils d'une famille d'amis, enfin bref. En tout cas, dans le groupe, quoi. Il y a les non-dits aussi, il y a les secrets, il y a la volonté de sauver cette petite tradition de Noël, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Bref, c'est une très très belle histoire. J'avais peur que du coup, avec le concept de « on revit chaque jour », ce soit un peu répétitif, mais en fait, pas du tout, parce que c'est très bien mené. J'ai peut-être été un peu moins convaincue par la romance, mais en tout cas, ça reste une très jolie histoire, et surtout, j'avais trouvé ça hyper original. Bien sûr, comment parler de romans de Noël sans parler des romans de Karen Pont? J'ai eu l'occasion d'en lire du coup les années d'avant, mais cette année, je voulais surtout vous parler du dernier, qui est sorti là en octobre. Il s'appelle Embarquement immédiat pour Noël, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont jumelles, mais absolument opposées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui kiffe Noël à fond, c'est sa vie, c'est sa vibe, c'est son sang, c'est le sang de la veine, t'as vu? Et l'autre par contre, non merci, tu vois, elle si elle peut partir au soleil et au cocotier, ça lui va très bien. Partir au cocotier, c'était bizarre comme mot, mais on va faire comme si vous n'aviez pas entendu. Vous auriez sans doute pas entendu d'ailleurs si j'étais parvenue dessus, bref. Et pour Noël, leurs parents décident justement de leur offrir à chacune un billet d'avion pour partir dans leur destination de rêve, donc une au froid, l'autre au chaud, sauf que, petit mix-up, les billets sont inversés, celle qui aime le chaud va partir au froid, celle qui aime le froid va partir au chaud, c'est la cata, mais est-ce que c'est vraiment la cata? Bien sûr que non, puisque c'est un roman de Noël et que tout s'arrange.
Bon, je vous spoile pas, hein, vous vous doutez qu'il y a des rebondissements, il y a des rencontres, il y a des révélations, il y a des choses qu'on apprend sur soi. C'était aussi un très beau roman, toujours avec beaucoup d'humour, c'est le style de Karen Pond que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et du coup, j'ai choisi de vous parler plutôt de celui-ci parce que c'est le dernier sorti, mais les autres sont vraiment très très cool aussi, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce qu'elle a écrit. Ses romances de Noël sont vraiment cool. Autre classique que je suis obligée de mentionner quand je parle de livres de Noël, il s'agit bien sûr de Mon hiver cosy de Caro From Woodland. C'est pas un roman, c'est pour ça que c'est totalement différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Mais c'est un ouvrage absolument magnifique qui est parfait pour l'ambiance de Noël. C'est tout Caro... Ah ! Ah ! Attendez ! Parce qu'elle m'a offert des petits marque-pages. Et j'ai eu ma dédicace ! Je disais donc, c'est un livre qu'elle a dessiné, qu'elle a écrit de A à Z. C'est un travail de dingue qu'elle a fourni et ça rend hyper hyper bien. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon Noël. Il y a des informations sur la période de l'hiver, il y a des choses pour décorer, il y a des petites recettes, il y a des choses sur les animaux, sur les films à regarder, les livres à lire. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour passer un hiver cosy. Et ça, c'est ce qu'on veut. Il est vraiment beau, il est incroyable et en plus, je sais, parce que je la connais un peu et que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, que Caro fait un travail de dingue et je suis vraiment très très fière de pouvoir vous présenter ses livres, sachant que donc ça c'est Mon hiver cosy bien sûr, mais elle a aussi écrit Mon été cosy et peut-être qu'on aura d'autres saisons, allez savoir. Moi je sais, je sais pas pourquoi je me la pète comme ça. Vraiment, il est trop beau. Alors celui-ci, je l'ai lu il y a 2 ans, je vous avoue que mes souvenirs sont plutôt flou dessus, donc si vous l'avez lu et que vous vous rendez compte au fur et à mesure de la vidéo que je dis des bêtises, excusez-moi. Mais il s'appelle donc Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, et je l'avais trouvé hyper drôle. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui décident de partir en vacances ensemble, si je ne me trompe pas. Sauf que dans le groupe d'amis, il y en a 2 qui se détestent, mais vraiment, ils n'arrêtent pas de se faire des crasses. C'est hyper drôle de les voir interagir les uns avec les autres, d'autant plus que quand t'es un petit peu adepte des comédies romantiques, tout ça, tu sais ce que ça annonce. Tu sais ce que ça annonce, le petit Miss to Lover. C'était exactement ça, c'était vraiment mignon. Je vous dis un peu ce qui se passe, je me rends compte là, c'est un peu un spoil, mais en même temps, quand tu dis ce genre de roman, c'est prévisible au possible, mais tu t'en fiches en fait, parce que c'est pas pour ça que t'es là. T'es pas là pour la surprise, t'es là pour l'ambiance, t'es là pour la cutitude, oui c'est un mot, t'es là pour passer un bon moment, sourire, rire, verser ta petite larme parce que c'est un peu émouvant quand même, et là on est parfaitement dans cette vibe. Je me souviens aussi que c'était hyper drôle et qu'il y avait ce côté un peu punchline entre eux que j'avais beaucoup aimé. Je vous recommande aussi Les étoiles brillent plus fort en hiver. J'avais évidemment craqué sur la couverture et entre temps, il y a la version poche qui est sortie et je trouve la couverture encore plus jolie. Superficielle. C'est la danse de la superficialité, ça. C'est une danse trop nulle. D'ailleurs, je vais m'arrêter parce que là, c'est gênant. C'est l'histoire d'Agathe qui travaille dans un grand magasin et qui est notamment responsable de la décoration et elle vit pour la période de Noël parce que c'est le moment où elle peut faire plein plein de choses, elle peut mettre des paillettes dans la vie des gens, dans les yeux des enfants. Sauf que cette année, il y a un nouveau responsable qui est beaucoup plus centré sur budget, 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 fais pas ci, c'est pas safe, nanani nanana, bref, t'as compris. Il va un petit peu casser sa vibe. Et en parallèle de ça, Agathe, elle a pas une vie très très facile, il y a plein de choses qui lui tombent dessus, donc ce qui était censé être sa période préférée de l'année devient un petit peu plus compliqué. Mais bien sûr, l'amour et la magie de Noël peuvent renverser tous les obstacles. On aurait dit un super mauvais jingle pour une super mauvaise pub. J'avais beaucoup aimé ce roman aussi. Je me souviens qu'au début, il se passe un truc qui m'a fait dire « Bah non, mais là, c'est pas possible, en fait, c'est beaucoup trop tiré par les cheveux. » Et en fait, bah c'était plutôt sympa. Au fil des pages, je me suis beaucoup attachée au personnage. Ça prend beaucoup plus de profondeur que ce que j'imaginais, notamment avec les problèmes personnels que peut avoir Agathe. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez deviner et découvrir ça au fil des pages. Mais j'avais aussi beaucoup aimé. La romance était sympa. Pareil, il n'y a pas de smut, mais c'est hyper cute. Je me rends compte que là, je vous précise qu'il n'y a pas de smut, mais il y en a plein d'autres où il n'y avait pas de smut et je vous en ai pas parlé. Donc je sais pas pourquoi, des fois ça pop comme ça, je vous parle de smut, on ne sait pas pourquoi. Bref. Autre recommandation, et celle-ci j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler dans mes bilans, mais cette année j'ai lu I'll Be Home for Christmas qui m'a été envoyé par l'autrice et c'est trop 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 bien. C'est un roman auto-édité, je vous mettrai du coup dans la barre de description le lien vers le compte Instagram de l'autrice et peut-être si j'arrive à trouver le lien vers la fiche de l'article parce que je pense qu'il n'est pas disponible de partout le livre.
En tout cas, j'ai encore une fois craqué sur la couverture et je ne regrette pas parce qu'il était vraiment chouette. C'est l'histoire de, pareil, deux sœurs. Une qui adore Noël, l'autre beaucoup moins. Et celle qui adore Noël a toujours plein de trucs de prévus. Elle veut faire du mois de décembre un mois incroyable. Et cette année, elle ne peut pas pour des raisons personnelles. Son mari s'est pété la jambe, elle a des soucis avec sa fille. Enfin bref, ça part un petit peu dans tous les sens. Et du coup, sa sœur va venir à sa rescousse, un peu à contre-cœur au début. Et puis bien sûr, encore une fois, l'esprit de Noël, tout ça, tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on cochait toutes les cases des comédies de Noël. Il y avait les chocolats chauds, il y avait le passage au marché de Noël, il y avait les moments en famille, il y avait la petite révélation, le plot twist, etc. Mais à aucun moment c'était cliché. On a abordé des sujets assez intéressants et plutôt importants, avec beaucoup de douceur. Le style d'écriture était vraiment chouette. Donc franchement, très très bonne découverte, très très bonne surprise et je recommande. Cette année, j'ai aussi lu La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby, qui m'a été envoyée par les éditions Michel Lafon. C'était une plutôt chouette découverte. Moi, j'avais jamais lu de roman de Zoé Brisby, donc j'étais curieuse de découvrir son style d'écriture. Je suis assez convaincue parce que j'aime beaucoup comment elle écrit. C'est très drôle, c'est bien mené hein, au niveau du récit. Il y a cette petite touche un peu d'humour, de sarcasme que je trouve vraiment chouette. Et j'ai beaucoup aimé ses personnages, notamment le personnage principal masculin, qui s'appelle Ben. Ben travaille dans une maison d'édition et il a repéré un manuscrit. Pour lui, c'est le manuscrit qu'il faut avoir dans la maison d'édition, sauf que lui, il a un tout petit poste dans la maison d'édition, il n'est pas du tout éditeur. Et sa chef lui dit, écoute, je sais pas si je te fais confiance, enfin bref, sa chef, elle est un peu chelou, pas très très sympa, on va pas se le cacher. Et Ben, il dit, si, il nous faut ce livre. Du coup, il va jusque dans le village de l'auteur pour le rencontrer et lui dire, on veut votre livre. Sauf que l'auteur, il a une demande, il dit « D'accord, je signerai le contrat d'édition seulement si tu redonnes le goût de Noël à ma fille qui a vécu une année difficile, elle a divorcé, elle a eu plein de soucis, elle a plus du tout l'esprit de Noël en tête et elle a plus envie de le fêter, je veux que tu lui redonnes l'esprit de Noël et là, je signerai le contrat. » Ben, il est un peu en mode « Ouais, mais moi je déteste Noël, donc je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour faire ça. » Mais, challenge accepted. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'était une super jolie histoire et encore une fois je me suis beaucoup attachée aux personnages. Ça va un peu vite entre eux, mais c'était très joli. C'est une romance bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres questions sur, sur l'esprit de Noël, sur l'esprit de famille, sur les rêves, la passion. C'est très très beau et j'ai beaucoup aimé. Et enfin, dernière recommandation, désolée, je sais qu'il y en avait beaucoup et encore je suis sûre que j'en ai oublié parce que j'en ai lu d'autres, mais là je m'en souviens plus trop bien. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous n'êtes pas morte déshydratée derrière votre écran. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'ai l'impression qu'elle dure depuis longtemps déjà là. Bref, dernière recommandation, c'est promis, j'ai lu Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer et c'est un livre qui m'a été offert par mon amie Léa. Cette année du coup, je me suis jetée dessus, il est vraiment cool. Pour être tout à fait transparente, je l'ai trouvé un petit peu long. Un petit peu lent parfois, il y avait certains passages qui étaient assez répétitifs, mais c'est très mignon, j'ai beaucoup aimé comment c'était construit, j'ai adoré les personnages, et j'ai trouvé qu'en fait pour un roman de Noël, on abordait quand même des sujets assez sérieux, et enfin je sais pas, il y avait des trucs très originaux qui m'ont beaucoup plu. C'est l'histoire de Leïla qui est une fan absolue de Noël et ce même si c'est une période très compliquée pour elle parce qu'elle a beaucoup de travail, elle a monté une entreprise avec ses meilleurs amis, ils vendent des bûches, des gâteaux de Noël, etc. Donc c'est une période très chargée pour eux. Et en plus c'est compliqué parce qu'elle est un petit peu en froid avec ses parents depuis quelques années parce qu'ils ne veulent pas fêter Noël et que surtout ils sont pas tout à fait en phase avec ses projets à elle. Voilà, il y a beaucoup de non-dits entre eux, beaucoup de frustration, ça la met très mal. Heureusement, elle peut compter sur son meilleur ami Sydney, qui est toujours là pour elle et pour la soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit friends to lover. Je vous en dis pas plus parce qu'il se passe quand même pas mal de choses et surtout on suit pas seulement Leïla et Sydney, même si c'est les personnages principaux, on suit aussi leur famille, on suit leurs meilleurs amis. J'ai trouvé ça vraiment chouette, encore une fois, très très bien écrit. Il y a beaucoup de diversité, de représentation dans ce livre, j'ai trouvé ça chouette et surtout j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui s'en dégageait. Voilà, j'ai fini, je suis désolée, je sais qu'il y en avait beaucoup. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez trouvé des livres peut-être qui vous tentent. Je vous mettrai comme d'habitude de toute façon les titres dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller taper sur Google pour retrouver les vrais résumés officiels qui donnent quand même beaucoup plus envie que ce que je fais moi. N'hésitez pas à me dire du coup si un des livres dont j'ai parlé vous tente et ce que vous avez lu comme roman de Noël, hein, n'hésitez pas à agrandir ma pile à lire du mois de décembre. Et en parlant de ça, je voulais du coup aborder avec vous le petit sujet dont j'avais un peu teasé au début de la vidéo. J'ai repéré ces romans de Noël au travail qui me tentaient beaucoup beaucoup. Donc je vous dis rapidement, hein, il y a J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Riggins. Il y a Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Henry. Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Snowy Little Lies de Fanny D.L.
J'aime beaucoup la couverture de celui-ci. Et enfin, Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie McComber. Donc ceci est ma petite pile à lire de Noël de cette année, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres qui me tentent. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je vais déjà lire ceci en priorité. S'il y en a d'autres qui peuvent se rajouter, tant mieux. Sinon, bah tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Ma question, c'est est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un petit vlog de mes lectures de ces 5 livres ? J'ai eu cette idée, je me dis que c'est un contenu que j'ai pas encore fait sur le compte, je ne sais pas du tout quelle forme ça prendrait, je ne sais pas si je vais y arriver, si ce serait quelque chose d'intéressant à regarder pour vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, je pense que je vais essayer de filmer ça, je vais me rendre tout de suite compte hein, si ça passe ou si ça passe pas. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant parce que je pourrais faire un petit vlog ambiance roman de Noël et je pourrais aussi me fixer un petit challenge de lire ces 5 romans en l'espace d'une semaine par exemple, ça pourrait être cool. Dites-moi si vous voulez que je tente le vlog et sur ce, promis, je vous libère, j'arrête de parler. Passez une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!